Alors, c'est l'histoire de d'un homme discret, méfiant et curieux. Et son histoire s'est passée à l'époque du collège, en troisième en cours de latin. Il était assis d'un camarade de classe qui était son ami. Il décrirait cet ami comme quelqu'un d'arrogant et qui se vantait plus tard de jouer dans des films. Et pour l'aider dans son rêve, il décide de l'aider en classe, c'est-à-dire par exemple à être moins arrogant. Il décide de lui souffler des réponses en classe, en contrôle par exemple, mais aussi à l'aider à faire ses devoirs jusqu'au lycée. Il décide de l'aider et ils finiront par se quitter lors de leurs études. Quelques années plus tard, l'homme, il allume la télé et puis il voit son ami d'enfance qui est dans une émission de télé. Il la présente. Après, quand l'émission de télé elle est finie, le numéro il s'affiche à l'écran. Du coup, l'homme il décide de l'appeler pour se redonner un rendez-vous dans un parc à côté. Ce jour-là, il se retrouve au parc et l'homme, il dit: comment t'as fait pour devenir une star de télé? Et son ami, du coup, il dit: c'est grâce à toi, tu m'as appris à être moins arrogant et qu'il faut toujours avoir un ami derrière soi.